Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau coloriage aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai commencé un nouveau coloriage extrait du livre Nice Little Toon 4 de Tania Boguema, voilà. Alors c'est le livre avec les petites souris que je vous avais déjà présenté, je vous remettrai le lien ici quelque part. Voilà, c'est le livre que je n'avais pas encore commencé à colorier. Je m'en étais rendu compte en faisant le tour de mon petit coin coloriage. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai attaqué donc avec les crayons Brut Funner. Voilà, cette fois-ci. Je les aime beaucoup aussi, hein, ces crayons, ils vont super. Et c'est vrai que pour les petits budgets, c'est vraiment une bonne boîte, je trouve, de crayons pour même pour les débutants. C'est une bonne boîte pour débuter. Ils glissent bien. On sait bien les mélanger. Ils font un peu de déchets quand on colorise, mais bon, ça c'est pas un grand problème. Quand je dis ça fait des déchets, ça veut dire que la mine fait des miettes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais ça c'est pas un gros souci. Sinon, oui, niveau pigmentation, ils sont nickel et tout. Je les aime vraiment beaucoup. Et je vous dis, pour les petits budgets, vous avez quand même une belle boîte en métal avec 180 crayons. Donc, une belle gamme de couleurs. Et vraiment, si vous voulez commencer à colorier avec des bons crayons, ben, je vous lance. Oh là là, je ne trouve plus les mots. Oh là là, ma tête, ça devient. Vous pouvez les prendre sans problème. Voilà, ce sera plus simple. Je cherche le mot, je ne le retrouve plus. donc c'est vrai que j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de qu'est-ce qu'ils pouvaient prendre pour débuter, et allez-y, ça se barre, allez-y, lancez-vous avec les Brut Funner. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il n'y a vraiment aucun souci. De toute façon vous verrez le résultat avec mon coloriage, ça fait vraiment nickel. Ça passe aussi à l'essence sans odeur, sans problème. Vous pouvez les passer au blender, à l'estompeur. Vraiment, ils sont nickel. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait une grosse partie de mon coloriage. Donc, qui veut dire que la vidéo est un petit peu longue, mais bon, je m'en excuse par avance. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos longues, mais comme je vous explique souvent, quand c'est comme ça, vous la regardez en deux fois ou en trois fois même, ou alors s'il n'y a rien à la télé, eh ben, vous mettez ma vidéo et ce sera beaucoup plus intéressant que, en plus maintenant, c'est les Jeux Olympiques. Alors, youpi! Donc, allez-y, lancez-vous, regardez ma vidéo, ce sera beaucoup plus intéressant. sinon, bah, rien de neuf. Voilà. Je suis toujours dans mes cartons, dans les cartons de mes ventes, dans les cartons de mon cartonnage. C'est vrai que le cartonnage n'avance pas vite, mais bon, là, ça y est, j'avais eu mon cutter qui était cassé. Donc là, ça y est, j'en ai racheté un. Donc, c'est encore un Stanley, hein, mais c'est plus le même. Pourtant, l'autre, c'était un Stanley, mais bon, j'ai réussi à le casser pour le faire. Donc, j'ai racheté celui-là. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est avec des grandes lames qui avancent et que l'on casse avec... Alors, moi, je n'ai pas de force, moi. Bon,
On retire le truc qui est derrière là, et puis pour pas se couper les doigts, et on casse la lame avec. Voilà. Donc, ah ben c'est peut-être parce que je l'ai coincé. Oui, parce qu'il y a une roulette de sécurité. Voilà. Et donc ça, je l'ai acheté à mon magasin de bricolage chez Hubo. Et il est bien. Bon, il est un peu lourd, mais c'est ce qu'il faut de toute façon, parce qu'on l'a bien en main. Il y a déjà 8 lames dedans. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que quand j'aurai terminé cette lame-là, il y a une lame qui va se remettre automatiquement tout de suite devant. Voilà. Donc, il est pas mal. Je l'ai payé dans les 15 euros. Je vais regarder sur Amazon si je le trouve et je vous mettrai un lien si jamais ça vous intéresse. On ne sait jamais. Vous voyez, comme j'ai fermé la roulette. Et si je referme la roulette, je ne peux plus toucher à ça. Voilà. Hop. Ce qui fait que, au moins, quand je découpe, la lame est coincée. Je ne peux pas, elle ne va pas se rétracter ou quoi. Donc voilà, je suis rééquipée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben rien. J'ai reçu des petites choses de chez Amazon, je vous montrerai. Il y aura une petite vidéo, il y aura des petits tutos avec ce que j'ai reçu. Donc voilà. Allez, je ne parle pas plus longtemps parce que la vidéo est déjà assez longue. Je vous laisse visionner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez déjà de mon colo. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous. Bon visionnage.
Thank you.